Gianna, Wassim, Romi, Mike, Stefanie, Timo, Shukri, Kevin, Abirami, Eve, Selina, Noe, Débora, Jesus, Dominic, Adrian, Gentiana, Massum, Selenia, Niklaus. Débora, Niklaus, Selina ou encore Timo, Stefanie ou Dominic et tous ces beaux visages, ils sont jeunes en Suisse. et ils sont apprentis au Département des Affaires étrangères. Leurs regards sont autant de lumière de la Suisse dans le monde par leur jeunesse, par leur travail et par leur ouverture. Et c'est avec eux que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chères concitoyennes et chers concitoyens, un pays est une communauté de destin. Il trouve sa raison d'être dans sa capacité à ouvrir des perspectives d'avenir. C'est le cas en Suisse. Après une bonne formation, les jeunes peuvent accéder à un travail. Notre pays crée des emplois, notre pays attire les jeunes, alors qu'ailleurs, le chômage est tel que des régions entières voient leur jeunesse les quitter. Notre Suisse est ainsi forte parce qu'elle repose sur un État libéral, parce qu'elle dispose d'un système de formation efficace qui a su additionner les atouts de la voie universitaire et de l'apprentissage dual, et parce qu'elle peut compter sur notre économie créatrice. Une économie qui puise son dynamisme dans l'ouverture bien maîtrisée du pays, dans son histoire aussi. La Suisse a toujours été un pays de commerce. Le sel indispensable à l'élevage au Moyen Âge, déjà le sel des étapes de Guillaume Tell, arrivait notamment de Tunisie par les routes marchandes. Aujourd'hui, notre commerce avec le monde représente un franc sur deux gagné en Suisse, dont les deux tiers avec nos voisins d'Europe. Les régions frontalières sont nos premiers partenaires commerciaux loin devant des géants comme la Chine, le Brésil ou même les États Unis. Ces géants sont certes importants, mais ils ne peuvent que compléter et non remplacer les relations essentielles que nous avons avec nos voisins de l'Union européenne. C'est d'ailleurs aussi avec l'Europe que nous partageons nos valeurs et c'est encore avec l'Europe que nous formons une communauté de sécurité et de paix au service de tous. La voie de la Suisse en Europe, la voie bilatérale a permis d'assurer la prospérité et l'indépendance du pays. Le Conseil fédéral veut rénover cette voie de la Suisse, cette voie bilatérale, pour pouvoir la poursuivre, pour pouvoir continuer d'ouvrir des perspectives au pays et aux générations futures. La Suisse est le monde, par la jeunesse, par le travail, par l'ouverture. C'est le cœur de notre action en 2014. Un cœur qui bat au rythme de la Constitution fédérale, un cœur qui veut comme cette Constitution, renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde. La Suisse est un miracle, car la défense de ses intérêts, la sécurité, l'indépendance et la prospérité, peut se faire par la promotion de ses valeurs. La paix que l'on vient chercher à Genève, la démocratie qui à l'étranger prend souvent les couleurs de la Suisse, les droits de l'homme, parce que la Suisse, c'est une terre de liberté. La tradition humanitaire qui est ancrée dans ce pays depuis Henri Dunant et le respect de la nature dans une terre pauvre en ressources mais infiniment riche en beauté. La Suisse et le monde, la Suisse avec de telles valeurs éternellement jeunes, avec sa culture du travail et avec son caractère ouvert, le monde tournant au rythme de la globalisation et cherchant sans cesse son équilibre. La Suisse et le monde ne sont pas des étrangers l'un pour l'autre. Ils sont comme le lac et le ciel, ou comme le ciel et les Alpes. Ils se rejoignent à l'horizon pour créer de nouvelles perspectives. De la qualité de ces relations entre la Suisse et le monde dépendront en fin de compte nos perspectives d'avenir. De la qualité de ces relations dépendra la lumière à l'horizon, la lumière dans les regards de Déborah et Niklaus, de Célina et Timo, de Stéphanie et Dominique. De le regard, dans le regard de toute la jeunesse de notre beau pays. Merci de faire équipe pour l'avenir du pays et très belle année à toutes et tous. Bonne année.